Alors maintenant, je vais entrer la dalle. Pour cela, je clique sur cette icône-là, dalle. Et puis, je vais passer par tous les poteaux d'extrémité et les extrémités formant cette dalle-là. Bon. Ici, je dois cliquer sur AS poteau pour changer d'accrochage. Et comme ça, j'atteins ce poteau-là. Et puis, pour que j'ai le bon accrochage, je vais recliquer sur AS et extrémité. Voilà. Voilà. Donc, comme ça, on a obtenu notre dalle que je vais partager en panneau juste en cliquant sur cette icône-là. Mais avant tout, je dois sélectionner AS unique. Je sélectionne cette dalle-là et je clique sur partager. Et voilà, on a obtenu des panneaux de dalle. Voilà. Alors, pour ça, la première approche, c'est de déterminer l'épaisseur de la dalle pleine équivalente, connaissant G en code H fois l'eau est égal à G, ce qui donne H est égal à G sur l'eau, bien sûr, étant donné que l'eau est la masse volumique du béton armé. Puis, en saisissant la dalle sur H ossature, on compte une dalle pleine d'épaisseur H. Comme ça, on obtient la distance de charge, mais pas de carénage. Et on sera obligé de calculer le carénage des nervures sur H. La deuxième approche consiste à définir deux nouveaux matériaux. Le CC21, c'est-à-dire corpo C de plus de 3, l'épaisseur 21 cm, de densité mieux, de charge permanente 0,561 par mètre carré, accompagné par la charge d'exploitation correspondante et puis le corps creux CC19+6 de l'épaisseur 25 cm et donc il fait mieux de charge permanente 0,615 par mètre carré avec la charge d'exploitation correspondante. Comme ça, on obtient la défense de charge et puis on redéfinit le matériau de la dalle en tant qu'une chape en béton armé d'épaisseur 5 cm. Et puis on insère les nervures avec leurs dimensions et on obtient finalement les notes de calcul et le calcul.